Yo les potes, j'espère que vous allez bien les petits potes. Bon, j'ai eu un tout petit bug de vidéo au début, donc j'ai re-eu un contrat d'union depository, on l'a verrouillé, c'est tout ce qu'on a fait les gars. Et je viens de me faire buter. Nice, ça donne envie. Alors nous, on va jouer au casino. Ensuite, la plancasse. Where is la plancasse? Je sais pas, bon bref. On va prendre ma magnifique shafter. Je vais pas me venger du mec, hein. C'est débile je crois qu'il m'a mis une tête là. Pas me venger. Hein. Ouais, donc road to 5 millions les potes. Les promos sont tombés, c'est le labo d'acide qui est x2, donc on va devoir brûler de l'argent quand on fera la vente. C'est quoi ça? C'est un véhicule de, ouais, d'export. Les planques, la planque. Pourquoi tu me dis? Ah, la planque, elle est juste à côté. Vas-y, on va faire la planque tout de suite, ce sera fait. Hey, let's go. Je suis mort. Oh non. Oh non. Merci le chargeur grande cap. Hein. Alors, le papier. Où es-tu, petit papier? 28. 11, 97. Oh non, j'ai fait 96, rip. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, j'ai envie de dire. Alors maintenant, direction le casino. Dans ma sublime bunker. Ok, contenu du bunker. Ok, nice. Je crois qu'on avait racheté des matières premières, donc ça fait un peu yesh, mais bon. Récupérer maximum de balises, on va pas le faire. Nous, on va tout de suite checker le labo d'acide et on va accélérer la production pendant que on y est. LR. Ok, l'acide est vide. Hein. J'avais acheté des matières premières pourtant, il me semble. Elles sont peut-être pas encore arrivées, non? J'avais acheté des matières premières, frérot, qu'est-ce que tu me fatigues? Ah ouais, ça tourne mal. Hein. Ah, j'ai pas accéléré la prod, du coup, je suis trop con. Voilà, des matières premières sont en cours de livraison, c'est bien ce que je me disais. Donc on va accélérer la prod. C'est que j'ai coupé avant qu'elles arrivent. Ah ouais, road to 8 millions, frérot, ça va être long de ouf. Chaque véhicule que je vais acheter, ça va être une épopée de plusieurs jours, les gars. Voire plusieurs semaines. Ah ouais, dans quoi je me suis lancé, moi? Je sais pas, mais je me suis lancé, en tout cas. Allez, on va au casino. La prod est accélérée. Ça, c'est nice. Pourquoi tu me fais respawn là, frérot? Sois cool avec moi. Atelier de cocaïne, matière première à acheter, labo d'acide acheté. Là, va juste falloir faire passer le temps, en fait. Donc, je pense qu'on va faire une petite activité x3, ce qui est autorisé dans Wild. Casino, bah ouais, parce que sinon je refais un Union Depository, mais là ça fait trop d'un coup là. Wow, comment elle est belle. Wow, la grotti quoi? La grotti Stinger. Ah, je l'ai pas reconnue en bleu comme ça, bleu violet. Elle est amazing. Franchement, si je la gagne, je la garde. Je m'en fous de Wild. Allez, c'est bon. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Vas-y, je la garde ou je la garde pas? Bah attends, je l'ai pas gagnée encore. Faut déjà la gagner. J'aimerais bien la gagner. Comme ça, j'aurai le pouvoir de décision. Bah non. J'aurai du RP. 10 000 RP. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on gagne plus de voiture. Niveau 91. Me voilà heureux. Prends le petit bonus. On récupère. Bon, et ben maintenant, les gars, nous sommes dans le grand vide online. J'ai pas envie de faire de l'import-export. Le bunker, ça tourne. La coque, ça tourne. Et la suite, ça tourne. J'ai pas envie de faire l'union depository. Eh ben, je sais ce qu'on va faire. Non, peut-être pas du hangar, non. Soit je fais une activité, soit je fais du hangar. Attends, c'est quoi les activités? C'est quoi les activités x3, là? À tous les coups, il va y avoir un mode... Ouais, non, vas-y. C'est quoi? Je préfère faire du hangar. Non, j'ai même pas envie de faire du hangar, en fait. Ah, c'est la merde, en fait, les gars. Faut que je laisse tourner mon jeu, en vrai. Mais l'AFK est interdit. Mais après, aussi, dans Underground 2, les gars, quand je faisais de l'AFK, il y en a, limite, ils me croyaient pas. Ils me disaient, oh, je te crois pas que t'as fait de l'AFK et tout. C'est vrai que je faisais de l'AFK, je faisais ma vente et tout, j'enchaînais les sous, c'est vrai que je montrais rien, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux montrer quand tu fais de l'AFK quoi? Tu fais de l'AFK 4 heures, tu fais une vente d'acide, tu fais de l'AFK 4 heures, tu fais une vente d'acide, rien de ouf quoi. Ah, nouveau client. Putain, on va jamais péter les 5 millions aujourd'hui, c'est pas possible. Vas-y, on va faire une petite mission de hangar quand même. Une petite mission aérienne pour changer. Faut pas que je craque sur les sous, faut pas que je craque les gars. Faut que je, mentalement, je tienne jusqu'aux 8 millions les gars. On a fait que la moitié du chemin, putain, ça fout les boules. Ah, ça me désespère un peu. Ah ouais. Est-ce que je vais craquer? Ça se trouve, je vais craquer, je vais sortir une nouvelle saison, je vais dire voilà, on arrête le mode wild. Non. Non, j'aime bien jouer comme ça, j'adore, ça me challenge de ouf. Après, je sais que j'ai bien vu que c'est pas ce que les... Vous préférez en général, vous préférez les autres saisons, mais moi j'aime bien jouer comme ça, je kiffe. Et ouais, si je m'achète le Reju sans promotion, frérot, ah là là, la fierté que j'aurais, putain, je serais trop fier. Après, je pourrais péter tous les kikoulols sans culpabiliser. Est-ce que, ouais, j'ai assez normalement pour l'envoyer chercher une marchandise. 25 000, il est parti. Il fait chaud en ce moment, aujourd'hui il fait 36 à l'ombre, les gars. Vous vous rendez compte, 36 à l'ombre? Ben, moi, je m'en fous, j'ai la clim, mais je plains ceux qui sont en salle de classe, là, pas climatisés contre la fenêtre. Putain,
Pour ceux qui sont dans les entreprises, pareil, contre les fenêtres. Allez, aérien pour changer, les gars. J'en ai marre de faire du terrestre, c'est toujours les mêmes missions. Livrer le tabac et alcool, rejoignez le centre Epsilon. Elle est pas aérienne du tout, celle-là. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me baragouines? C'est celle où il y a les mecs sur le toit, là. Ah ouais, Rockstar, ils ont mal trié, en plus. Je sais que parmi vous, enfin, parmi ceux qui regardent plus mes vidéos, il y en a beaucoup qui attendent une nouvelle saison, les gars. Parce que quand j'ai sorti la vidéo qui s'appelle la dernière série sur GTA 6, genre la vidéo elle a fait de 2 fois à 3 fois plus de vues que les autres vidéos. Genre ça veut dire que les gens attendent une nouvelle saison. Sauf que ça fait plaisir, hein. Ils attendent une nouvelle saison, les gars, mais donnez-moi des idées si vous avez des idées. Parce que moi j'ai plus d'idées, hein. Moi c'est Wild, je suis à fond sur Wild, mais après c'est pour ça que je dis que c'est la dernière saison avant GTA 6. Parce que après j'aurais tout fait, hein, frérot, sur GTA. Tout ce que je peux imaginer faire, je l'ai fait. Il n'y a que le RP que j'ai pas approfondi. Et je t'avoue que j'ai vu des pubs sur TikTok pour certains serveurs RP. Ça me donne envie de tester, voir ce que ça donne. Mais c'est tout, quoi. Après, ce que j'aime pas dans GTA RP, c'est que c'est beaucoup de blabla. C'est et blablabla blablabla et blablabla blabla. Moi ça me transcende pas, ça. Après, chacun ses goûts, hein. Je sais que les gens adorent. Mais blablabla blabla, moi j'ai besoin qu'il y ait de l'action, quoi. Hein, du farm ou de l'action, un truc, quoi. Prenez la cargaison de tabac et alcool. Oui, monsieur. J'ai des encarts, assure-moi. C'est des gardiens ici. Ah ouais, il y a une échelle ici. Je vais mourir en haut de l'échelle, tu vas voir. C'est gros comme une maison. Ah non. Ah, c'est dans l'hélicoptère carrément. Nice. Ah ouais, c'est pour ça que c'est une mission qu'on dit aérienne. Ah ouais, je comprends. Alors, on rentre une petite caisse. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir dans le jeu comme véhicule que le Red Joe, les gars. Si j'ai le Red Joe, je suis le maître de Los Santos. Ah ouais. J'aurais mon bizarre, mon Red Joe. De putain de véhicules aériens. Voilà, on a rentré une caisse, c'est bien. On a fait notre bonne action pour le hangar, les gars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, je pense qu'on va voir si on n'a pas un contrat Elite Plus. Voilà. On en a pour combien à vendre ici? Laissez-moi regarder ça. 180 000, c'est pas ouf. 180 000, tu m'en fais un beau de 180 000, là, c'est pas ouf, frérot. Viens, on va chercher notre caisse pour 200 000. Vas-y, en mission terrestre. Vas-y, viens, on fait un effort, là. Contrefaçon, peu importe. Terrestre. Ah là, l'aérodrome de Chandichar. Ok, frérot. Oh putain. Avec ce véhicule là, c'est une blague, Rockstar. Je vais pas avoir l'air malin, moi, là-dedans. Le Monstro City, quoi. Putain, je le connaissais pas non plus, celui-là. Je crois que la mission, c'est le crash. Il y a eu un crash et faut trouver la caisse. Je m'en souviens. Ah, il est pas mal, le Monstro City. Hein. Ah ouais. Comme ça, on met pour 200 000 dans le hangar. C'est déjà pas mal. Plus la caisse qui va ramener. On aura 230 000 à peu près. Oh là, d'accord. Oh putain, bon, d'accord, ok. Je vais devoir me taper toute la map avec ça. Putain. Vas-y, on va faire toute la map avec ça. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai 4 millions, je me sens riche, mais je sais que je suis pauvre au fond. C'est horrible. Ah, les gars, si vous avez des idées, les gars, pour une nouvelle saison, allez-y, hein, moi je vous écoute, hein. Je vous mets à l'épreuve, les gars, hein. Moi j'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées, les gars. Non, mais franchement, au bout d'un moment, faut que je dise la vérité. Le jeu, je l'ai cogné, je l'ai saigné, j'ai fait 10 saisons de Tsum Tsum. Voilà, quoi. J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Quasiment. Ah ouais. Oh putain, c'est le bordel au casino. Vas-y, pose-toi, toi. Ouais, non, j'ai plus d'idées. Là, franchement, pourtant, moi je suis toujours. Mon cerveau, il fulmine toujours à la recherche de nouvelles idées, les gars. Mais là maintenant, mes prochaines idées sera pour GTA 6, hein. Et si ma chaîne est cool avant, bah cool avant, les gars. Moi je donne le max sur Wild, c'est tout ce que je peux faire, hein. Ouais, chillax, vas-y, m'agresse pas, toi, t'es mon ami. Non, mais les marchandises du hangar, les gars, c'est pas possible. Regardez comme c'est long, c'est un truc de fou. Voilà, c'est le crash. Vas-y, dis-moi où elle est, là, frérot. Ah ouais, c'est là-bas. Ouais, non, vas-y, j'arrête le hangar, c'est bon. Un quart d'heure, 30 000 dollars que t'es même pas sûr de réussir à vendre. C'est n'importe quoi, ça. Bougez-vous! Oh, le strike! Après, bon, j'ai le bunker qui tourne. L'acide et la coke, donc j'ai quasiment 1 million. Est-ce qu'on peut le faire en discret, ça? Vas-y, j'essaie de le faire en discret pour voir. Ah, bah, sont là, les caisses. Ah, donc on peut le faire en discret. Nice! Amène-moi mon véhicule. On va revenir en shafter. Voilà, on nettoie la zone. Oh, lui, il a mangé. Vas-y, ma caisse, là! Wesh, LR, tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh là 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 là. Oh là là là. Ah ouais.
Ouais, 10 minutes la mission. Et on peut pas semer les flics. Vas-y, t'sais quoi? C'est quoi? Je suis à deux doigts de rage quitte là. Je suis à deux doigts de rage quitte, je rigole même hop. Ah ouais. Vas-y les flics là, barrez-vous putain. Oh, c'est une vraie galère le hangar en fait. Plus jamais, c'est bon. Hein. J'abandonne le hangar, je vais m'acheter une boîte de nuit au pire. Voilà, on a plus les flics. Vas-y, fais un effort et le saut en hauteur. Nice. Allez, on va ramener ça à la boîte. Ça nous fera ouais un petit 250 000 de vente de hangar. C'est déjà pas mal. What, y'a un hélico qui vient de se crash là. À tous les coups, je vais me faire gros. Voilà, 10 minutes pour ramener une caisse qui vaut 30 000. Non, mais c'est nul à chier. C'est nul. Tu te rends compte, tu passes une heure là-dessus, tu te fais 180 000 hein, par heure de jeu. C'est éclaté, hein. Mais c'est pire qu'éclaté, 180 000 par heure de jeu. Vous vous rendez pas compte comment c'est de la merde. C'est un truc de fou. Vas-y, j'arrête le hangar. C'est bon, je suis dégoûté là. Allez, c'est bon, ça m'a dégoûté. Allez, c'est bon. Et ta gueule, Ron. Non, vas-y, ça m'a dégoûté, les gars. Je reviens tout de suite, les gars, mais ça sera un autre jour, là. Parce que là, ça m'a dégoûté, là. J'ai l'impression de farmer dans le vent, là. J'ai l'impression que ça avance pas, là. Faut que je fasse une réunion avec moi-même. Réunion d'urgence. Allez, à tout de suite. Re, les petits potes. Bon, l'heure est grave. J'ai décidé aujourd'hui, et maintenant, et tout de suite, de mettre un sérieux coup de collier. Alors on est descendu en dessous des 4 millions parce que j'ai révisé une voiture de l'atelier auto, les gars. J'ai enregistré, mais bon, j'ai eu un imprévu encore une fois. Vous savez. Oh, on peut pas se mettre en PDG, on change de session tout de suite. Nice. LR. Est-ce qu'on peut se mettre en tant que boss? Toujours pas. Ah ouais, les gars. Ah, si c'est comme ça, ça va me faire câbler, les gars. Ah ouais, alors où j'enregistre, on est dimanche, les gars. Les sessions sont pleines de farmers. Oula, course poursuite devant la messe banque, on entend les tirs. Est-ce que je peux me mettre en boss? Oui. Bon les gars, la résolution les gars, c'est que je vais me donner un coup de pied au cul les gars, on va faire de l'import-export parce que le calcul il est vite fait. D'ailleurs je vais lancer un chrono, il est 16h pile à l'heure où j'enregistre. On va localiser un véhicule et on va voir combien de temps on met pour le chercher et le vendre. Haut de gamme Z-Type. Ah ouais, parce que pendant que la CD tourne, moi je peux rien faire sinon. Ah ouais, ça manque de business actif hein, quand même je trouve. Prends des encas. Allez, la 8F drafter pour le kiff. J'espère que j'ai pas une mission à la con. C'est ce que nous allons voir tout de suite, les potes. LR. L'hippodrome de Vinwood. Nice. La dernière fois que j'ai fait ça, on me l'a pété le truc. On m'a pété la caisse, je crois. Là, ça va pas se passer comme ça. Vous allez voir. Ça va être nice. Ouais, donc 150 000. Peut-être les 4 150 000. D'ailleurs, Ah ouais, non, on peut pas contrôler l'acide. Faut que j'aille jouer au casino après. Ouais, après je vais jouer au casino. Alors je vais chercher la bagnole, je vais la vendre, je vais jouer au casino. La planque, je sais même pas si ça sert à grand chose de la faire vu que j'ai pas beaucoup joué la dernière fois. Ouais. Olé, olé, olé. Olé, j'ai failli me retourner moi. What? Ok, c'est la dorée. Va falloir bien viser là, on n'est pas sur PC clavier souris. Vas-y, abuse pas frérot. Oh ouais, non, ça va être une vraie galère. Vas-y frérot, qu'est-ce que tu fatigues? Oh là là, c'est... Oh, une vraie galère les gars. 5000 de dégâts. Ben voyons. 5463 de dégâts. On va ramener ça. C'est juste pour dire voilà, on avance vers les 5 millions. Et normalement, si tout se passe bien, peut-être qu'au prochain épisode, on pète les 5 millions. Ah ouais. Bon, c'est pas facile, hein, Wild, hein, les gars. Faut avoir du mental, hein, les gars. Ah ouais. Sinon, tout s'effondre. Surtout que tu crois que le début est difficile, mais après, vu que les prix sont abusés, parce que les prix dans GTA Online sont totalement abusés, c'est vrai que la CID et tout, c'est rentable, mais quand tu penses à un avion à 8 millions, tu te rends compte, c'est 4 caillots, plus de 4 caillots périco pour un avion, quoi, frérot. Ah ouais. Oh là, j'ai fait le strike. Et il y a du monde devant. Ben voyons, ça continue. C'est une MK2 en plus, non? Oh, je conduis super mal. Il n'y a rien qui va. Poussez-vous, poussez. Oh le bâtard, mais t'as vu ça frérot? Bon j'arrête. J'arrête de m'énerver après ça. Mais les PNJ se dirigent vers toi frérot. Et d'ailleurs je crois que j'ai un problème. Je crois que j'ai un mec au cul. Je suis pas sûr mais... Oh là je conduis mal, Il s'agirait de s'appliquer un petit peu. Ah si, j'ai un Demurker City qui veut me... qui me chase. Ok frérot. Ok Demurker City. Tu vas le payer très cher frérot. Donc je vais pas pouvoir vendre. Parce que j'ai un Gugus qui me suit. Regarde le radar, regarde. Ah non. Genre tu me suivais pas, genre. J'y crois pas quoi. Le mec me suit sur 1,5 km et le mec il tourne pas au même endroit que moi, j'y crois pas. Ce mec est un mytho. LR. On a mis combien de temps pour la ramener? On a mis 5 minutes pour la ramener les gars. Maintenant, on peut la vendre.
J'ai oublié de vérifier sur le radar s'il y avait quelqu'un devant chez moi. Pas malin que je suis. Oh putain, je vais devoir croiser le Gugus. Et moins 20 000. Ah, la voiture a été cabossée. La voiture que j'ai envoyée à Cessanta. D'accord. Eh ben, c'est pas notre journée encore une fois. Hein. Comment je vais faire pour me motiver pour monter à encore 4 millions? Putain, les bouchons, quoi. C'est bon, quoi. Regarde-moi ça, on peut pas passer, frérot. Ah ouais. Faut pas que je fasse de dégâts là. MK2 à gauche, terrage de fesses en cours. Dragon Eves, droit devant. Encore des bouchons les gars, c'est quoi aujourd'hui? Oh là là. Oh, il a mis la sirène. Oh les gars, je suis mort. Je peux pas acheter de bombe collante, j'ai pas de bombe collante. Oh, le mec il s'est croûté hein. La voiture de police qui voulait me prendre en chasse, il s'est croûté. Par contre, faut que je rachète des bombes collantes, ça va pas hein. Ces putains de menus là pour racheter le truc, faut bac plus 5 quoi. Une collante, voilà 15 000. Allez, depuis que la ville est ville, ça va le faire. Ça va le faire, frérot. Ouais, j'ai fait des dégâts, bah tant pis, frérot. J'ai cogné un camion, c'est pas grave. Tant pis, c'est déjà ça. Alors, combien de temps on a mis? C'est ce qu'on va savoir dans un instant. On a mis 9 minutes en tout. Du moment où on a commandé le véhicule jusqu'au moment où on l'a vendu. Et là, j'ai eu un bonus session pleine, voilà. Voilà, ça me plaît. Alors. Et là, l'idéal, ce serait que j'en refasse une autre. Hein. Ou non, tu sais quoi, je vais faire le chrono de AO. Elle loue la planque. Texto. Nouveau client, ok. La planque est là. Et le chrono de AO est là. Hein, ça m'arrange pas, frérot. Allez, attends, regarde le prix de l'avion. L'avion que je veux, il est là. Ah, mais il coûte pas 8 millions, il coûte 7 millions. Ah ouais, ils font insuffisant. Ah ouais. Bon, les gars, on va passer au bunker, histoire de voir où ça en est. Oh tiens, on va prendre la 9F. On passe au bunker vite fait, bien fait. Si on a une vente à plus de 100 000, on l'a fait. Ah ouais, ça me fait mal au cul de se dire qu'il faut plusieurs jours pour... Enfin, il faut... Combien il faudrait... Allez, encore 6 heures de jeu pour avoir le Red Joe. 6 heures, c'est pas beaucoup, hein. 6 heures, ça dépend, frérot. Je fais combien en moyenne? Je fais du... Si je compte en moyenne, je fais du 300 000 par heure, à peu près. Ah ouais, ouais c'est pas ouf. Hein. 55 000. Bah, tu sais quoi? On va livrer ça. Ça fera toujours 50 000 en plus. Allez, on a mis la chaîne à côté, frérot. Ouais, ça va. Ça va, il y a pire. Comme ça, on pète les 4 200 000 et après, je vais au casino. Après, on respire un peu. Et là, le bunker, il a la moitié de la charge pour faire une vente. Mute, je peux toujours pas t'appeler. Ça, c'est marrant, on se fait pas attaquer. Peut-être se faire attaquer là par Frisk. Ah ouais, les pastilles à la menthe. Ah, il fait demi-tour. Ah non, il fait pas demi-tour. Bon, bah, c'est nice. Un dimanche, comme on en voudrait plus, j'ai envie de dire. Allez, faut que je me mette un objectif aujourd'hui. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Allez, 4 300 000 déjà. Ah ouais, au moins 4 300 000. Ça serait beau, hein. Quoique, si je tape le chrono de AO, frérot, je les pète, hein. J'avoue. Faudrait que je trouve un dealer sinon. Ouais, un petit dealer, ça serait pas mal. Allez hop, ça c'est fait, les potes. Ça allait vite, hein. Puis cette fois-ci, on s'est pas fait attaquer. Alors, il y a des fois, tu te fais attaquer de ouf. Il y a des fois, il se passe rien, frérot. Allez, c'est rien passé. Ben, tant mieux, j'ai envie de te dire. Allez, encore un effort. Allez, direction le casino, les gars. Le petit moment de détente de la journée. C'est quoi le texto que j'ai reçu, là? Beau travail, le virement va passer, ok. Sauf que 50 000 dollars, c'est beaucoup, mais dans GTA, ça vaut rien. Hier, tourne la roue, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je ne dis pas que je vais gagner 20 000 jetons. Oh non, du RP. Bon, c'est toujours ça. Niveau 92, représente. Ici, les moulineaux, représente. Wesh, wesh. Bon, alors, Clamar, wesh, wesh. Alors. Allez, on va prendre la Obey 9, 8F. Non, la draft, la 8F drafter, pardon. Et on va faire au moins la planque casse. La planque casse. Et on va terminer sur le chrono de AO. Et on aura pété notre objectif. Je pense que demain, on aura de la vente à faire. Ah ouais. Bon, après, si je trouve un dealer sur la route, ça serait pas mal aussi. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Alors, je vais vers le nord, mais vers où je vais? Où vais-je? Qui suis-je? Alors, la planque casse. Oh, Eder, bouge pas. Toi, pas bouger. Voilà, coucou, panier. Toi, rester près des éoliennes. Voilà. Tu regardes les éoliennes en louchant. Ça te fait passer le temps. C'est bien, coucouche. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrangerait, franchement? Franchement, faudrait que ce soit l'acide. Ah ouais, faudrait que ce soit l'acide. Ou la coke. Ouais, ou la coke. Allez, on va prier pour l'acide quand même. En plus, c'est x2, mais j'ai pas le droit d'en bénéficier. Parce que je me suis bridé tout seul. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Oh, j'ai mis une tête. J'ai même pas fait exprès. Tiens, nice. Alors, le papier. Je vais être sur un poteau à tous les coups. Ah non, il est là. 73, 27, 38.
Alors, quitter la planque, let's go. Et on termine sur le chrono de AO, les gars. Normalement, ça aurait été un petit épisode posé. Bon, on n'a pas fait énorme de flouze. Il n'y a pas eu de baston. Il n'y a pas de baston. Mais la baston, moi, ce que j'aime bien aussi de temps en temps, c'est ne pas la provoquer quand il n'y en a pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jours où j'ai envie de me bastonner. Aujourd'hui, tu sais, si je peux faire mes trucs tranquilles, c'est pas plus mal. Cocaïne. Bon, bah écoute, c'est de la cocaïne. Hein. C'est toujours ça. Il va falloir faire gaffe pour pas avoir une vente à deux véhicules, du coup. Demain, il faut aller checker la cocaïne, absolument. Oh, coup de téléphone, je pourrais le faire si j'étais pas mauvais, mais vu que je suis mauvais, non, tu sais quoi, finalement, on va pas faire le chrono de AO, je vais checker la cocaïne, ce sera plus important, je pense. Ce chrono de AO, j'ai encore le temps pour le faire, on n'aura pas fait, non, on n'aura pas respecté l'objectif, mais attends, laisse-moi checker la cocaïne parce que faut pas que ça dépasse les deux barres, les gars, enfin, la barre virgule 2, hein, ouais, sinon, on va se taper deux camions poubelles, on va moins rigoler, hein. Dérapage, on va éclater, évidemment, je vais à la cocaïne et il y a un mec devant la coque. Ah ouais, j'ai une vente à faire, bah, tu sais quoi. On est que 13 dans la session, putain, le bonus de session pleine, ça m'arrange pas. Vas-y, tu sais quoi, je vais faire une vente de coke, les gars. Changement de programme. Alors, est-ce que je peux me mettre? Oui, je suis en club de motards. Session full. Oui, session full. Alors, t'as vu les conditions? Faut que la session soit full. Faut être en club de motards. Il faut avoir une moto. Ça, c'est le bonus. J'espère que j'ai une moto. Une moto ou un bateau. Ouais, un bateau à la limite. J'ai un bateau à la limite, frérot. 70 000. Ça fait 105 000 si je prends la grande vente. Voilà, donc c'est parfait. C'est exactement le bon moment pour vendre, les gars. Quand on est seul. Et là, du coup, ça fait un petit 130 000. Si. On a une vente correcte. Oui. Alors, hélicoptère. Ah, oh, j'ai jamais eu celle-là. Ah ouais, m'arrange pas trop. Let's go. Vivement GTA 6 quand même, les gars. Nous, on va poncer le jeu une dernière fois en Tsum Tsum Wild. Mais j'ai quand même hâte. J'espère que Rockstar, ils vont faire comme ils ont dit. Enfin, comme les rumeurs disent. Ils vont sortir un petit trailer, là, au mois d'octobre. Là, ça serait bien, là, octobre-novembre. Trailer GTA 6 avec GTA 6 Online dedans. Comment, on va pas se mentir, c'est vraiment de l'online qui m'intéresse. Hein. Le mode histoire, je vais le faire pour rigoler, quoi. Alors, nous voilà, nous arrivâmes. Il va falloir aller à Los Santos en hélico. Avec des MK2, peut-être. Est-ce qu'il y a des MK2? Il y a une MK2, ce qui est l'air plutôt correct. Le premier point, il est où? Ah ouais, c'est vraiment tac, tac, tac. Ah ouais, ok. Ça va aller vite. Avec ça, on aura pété les 4 250 000. C'est déjà pas mal. Olé, moi j'aime les risques. En plus, je passe juste devant Gugus. Normalement, on peut pas me loquer là, rassurez-moi. Je suis dans un véhicule inlocable pendant la vente. Je suis loqué. Oh, je peux pas l'esquiver le missile. Ah, la vente qui tourne mal. Il me fait fumer mon hélico. C'est qui? Enzo Ben. Enfin, un beau de Ben. Ben et Nuts, va, fils de pute, va. Ah ouais. Tu aurais dû contourner. Tu vois, je suis pas assez méfiant dans le jeu. Je suis trop gentil en mode, vas-y, les mecs sont cool, mes couilles, ouais. Ah, du coup, ma vente, elle va être compliquée à réaliser, là. Je sais pas si l'hélico, il va tenir. Est-ce qu'il faut... Ah ouais, non, il va pas tenir. Ok, les gars, faut se dépêcher. Il va pas tenir. J'ai déjà plus de patates pour monter en altitude, là. Le moteur, je crois qu'il peut couper 8 ou 9 fois et après, le buzzard est... Ce crash. Donc là, il l'a déjà coupé une fois. Deux fois. Ok, frérot. Il m'a vraiment niqué ma vente, ce fils de pute. Attention, là, ça va être dangereux. Faut pas que ça me lâche. Deux. Ah, ça me lâche. Olé, j'ai eu chaud, là. J'aurais pu exploser en 1000 morceaux. On va faire celle-là vite fait. J'aime bien les ventes de drogue, en fait. La cocaïne et tout, ça me plaît. Ah ouais, hein. Aïe, 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 aïe. Ça va pas le faire, les gars. Je vais faire que 3 points sur 5, je pense. Mais que nenni, je vais tenter quand même. Hein. Je tente jusqu'au bout, les gars. J'ai rien à perdre. Allez. On va essayer de se faire un quatrième point. Aïe, 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 aïe. Plus de patates. Ah non, c'est mort. Regarde l'hélico, c'est mort. Atterrissage d'urgence, les gars. Putain, je suis deg. Oh, 157 000 ? Oh, je me serais fait v'là plus de thunes encore. Ah ouais, c'est que le bonus, il a été doublé il y a longtemps, le bonus... Attends, je vais l'insulter, lui. J'espère que je vais pas me faire bander. Petite tub. Je lui envoie un petit tub, ce bâtard. Ah, j'ai le dealer, là. Je vais peut-être vendre un peu d'acide, là. Putain, fils de pute, je peux même pas aller me venger, les gars, il est à l'autre bout de la map. Bon. Bon bah les gars, c'est tout pour ce petit épisode. Nous, on a pété quand même les... Finalement, la vente a été quand même grave rentable, donc grâce au bonus de session pleine. On se serait fait carrément 200 000, hein, si on avait tout fait les points. Donc on est au 4 356 000, on a bien avancé quand même. On a pris 350 000 dans les dents. Et en plus de ça, on a un petit dealer. Est-ce que je lui vends un peu d'acide? C'est pas x2 là. Hein. Non, mais pour 14 000, ça vaut pas le coup. Et je vends pas. Voilà les potes, c'est tout pour cet épisode. Et puis n'oubliez pas les potes, hein. On s'appelle. Hein. La bise.